Bonjour, bonjour à tous, c'est Sir le Viking, on se retrouve aujourd'hui sur Jurassic World, le jeu pour la découverte du nouveau pass saisonnier, bien sûr, vous l'avez vu. Je l'ai vu aussi, puisqu'en lançant le jeu, évidemment, on a l'info. Nouvelle espèce, le Rhynchenia. Le Rhynchenia, espèce herbivore, donc, capable de courir vite, apparemment, puisque c'est ce qu'ils disent dans le truc. Est-ce qu'on peut la voir directement ici ou, Alors attendez, est-ce qu'on pourrait la choper? La Rhynchenia. C'est pas herbivore. Je vois pas ce que ce serait si c'est pas herbivore. Enfin, on fait bien, c'est sûr et certain. C'est un ptérosaure. Ouais, non, ptérosaure. Ou alors elle est pas dispo là. Ptérosaure. Si? Non. Ouais, je sais pas où aller. Mais en tout cas, Rhynchenia, du coup, nouvelle espèce disponible. Gagner des récompenses, ouais. Nouvelle espèce disponible ici. Rhynchenia avec la possibilité, du coup, d'avoir une toute nouvelle espèce dans le jeu, sachant que ça ne débloque pas dans le marché. Hein. On rappelle les passes saison. Course de Rhynchenia. Voyons un petit peu le pass saisonnier, s'il est intéressant. Ce serait peut-être ptérosaure, du coup. Hein. Ce serait un ptérosaure? C'est pas le poste machin là. Ça plane à la limite. Ça vole pas. Attendez. Ça m'intrigue. Après, on est sur un truc de ptérosaure en ce moment. Donc, ce serait pas si surprenant, mais je le vois pas ici. Je ne le vois pas. Après tout ça, je les ai. Je le vois pas dans le tas là. Donc, moi je l'aurais mis en herbivore. Quoi. Voilà. J'avoue que je l'aurais mis en herbivore. Alors petits Aegyanchopterus pour les premiums, un petit 160 billets, on a un petit paquet ici pour The Rhynchenia, pardon. On obtient des espèces qui courent vite, hein, je pense que c'est ça, Utahraptor, Pelicanimimus, Corythosaur, bon c'est moins vite mais c'est quand même pas mal. Pyroraptor, Caprosuchus, bon voilà. Ici du coup pour les premiums, vous pouvez récupérer potentiellement 5% de chance d'obtenir le Rhynchenia. Ah mais non c'est carnivore, c'est indiqué là, je suis bête. Alors attendez, parce que du coup on le sait. Allez. Le ring. Ah bah il est là. Attends, je l'avais pas vu. Autant pour moi. Tu vois ses stats. 3097, 792. C'est un carnivore. Carnivore tank. 78 euros pour l'avoir au niveau 10. Ne vous faites pas avoir bien sûr. Ne vous faites pas avoir bien sûr. Ça qu'on récupère 2500. Ça fait plaisir. Du coup, ici, Rhynchenia, donc, un petit 250 ADN, 1140 de ce côté-ci, un petit pack de course. Du macro SADN directement, hein, c'est pas mal en vrai. Macro. Un petit pack de course de Rhynchenia, 310 ADN, un petit pack ici pour les premiums. 1100 ADN ou pour les non-premiums, 1000. 160 billets, un petit APGRA, 1520 ADN, c'est pas mal. 1520 ADN, on prend. Hein. Après, des petits paquets, du macro SADN toujours, 110 billets, un APGRA disponible ici. Les paquets, 150 billets, 2200 ADN pour les premiums. 1250 méga SADN pour les premiums d'ailleurs. Vachement bien. Et bien sûr, le pack Rhynchenia. Le pack Rhynchenia ou un Rhynchenia tout court sans pack. Intéressant. Et si jamais on pousse, on peut en récupérer un nouveau. À 1600. À 16250. Tiens, il est plus à 18000. Ils se sont peut-être rendu compte que 18000 c'était un peu tendu à aller chercher. 18000 c'est costaud. En vrai, il faut jouer quoi. Il faut jouer pour aller chercher le 18000. Donc c'est sympa qu'ils aient baissé le prix. Je crois que c'est ça. Hein. C'était 18250 et pas 16000. Pour les non-premium. Après pour les premium, c'est 16250. Mais peut-être que vous gagnez plus de points. Je ne sais pas. Au niveau de la saison, qu'est-ce qu'on a comme combat? Regardez une annonce. Bon ça, j'ai déjà fait. 50 combats, 81. 25 aquatiques, 20 ptérosaures à fusionner. Utiliser 60 ptérosaures et acheter 60 billets de plus de prix. Très bien. Et là, c'est utiliser 35 créatures carnivores. Et faire éclore 2 récifs. Mais il faut faire éclore tellement de récifs à chaque fois.
pourriez varier, hein, parce que bon, les récifs, on va pas sortir que ça non plus. En vrai. Très bien, très bien. Et après ça, bon, c'est tout à fait classique. On va pouvoir faire les premières récompenses. Ici, ça veut dire qu'on... C'est quoi ça? Ah, on pourrait avoir un... D'accord. Si je prends le bundle premium plus, je récupère un incubateur. Et on gagne... Ah, mais on gagne directement un paquet plus le Ring Kenya. Ah, du coup, on l'a déjà niveau 20. 32 euros. Ah non, 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 c'est tout ce que tu peux, tu vas récupérer. Non, non, pardon. J'allais dire, si tu récupères tout ça pour 32 euros, ça commence à être intéressant. Non, non, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça. Bon, du coup, là, on va attendre patiemment et après, on sortira. Là, j'avais prévu le coup, hein, on avait sorti 3 aquatiques. Et la preuve, ici, c'est faire éclore 25 aquatiques. Donc, on avait vu le coup venir et ça fait quand même plutôt plaisir. Ça en fait 3 de fait déjà dans, bah, dans 3 jours, quoi. Ici, qu'est-ce qu'on a? Le Bananomius qui arrive. Très bien. On positionne. Et on en a 2 niveau 20. Bananomius avec Alonomius. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. On va les nourrir. Bah on va les évoluer. Ce qui est pas si bral. Au niveau du Tylacospicus niveau 11. Il va falloir refaire encore un petit tour. Bon, du coup, Ring Kenya, espèce que je connais pas du tout. Mais on est content d'avoir une nouvelle espèce, quoi. Un nouveau carnivore, un carnivore tank. Moi, je dis, c'est sympa. Clairement, je trouve que c'est une bonne idée. On va faire les petites missions journalières, comme ça, c'est fait. Moi, j'ai raté les premières missions de la première journée. Donc c'est pas grave, c'est pas grave. Va bien. C'est terrestre. D'ailleurs, je vous donne rendez-vous demain pour une vidéo petite annonce, des petites nouveautés, petits changements qui va arriver sur la chaîne YouTube. Je vous en parle sur une vidéo Jurassic World de jeu. Petite annonce. Voilà. Donc, si vous êtes intrigué, si vous dites tiens, que va devenir ta chaîne, etc. Est-ce qu'il va y avoir du nouveau contenu qui va arriver? Rendez-vous demain. Je vous ai enregistré la vidéo en avance, même si voilà. Et je vous ai enregistré la vidéo avant le pass saisonnier. Histoire de le faire, tout simplement. Et de vous annoncer la petite annonce dont je vous parle depuis 3 semaines. Petite, hein. On n'est pas sur un truc énorme. Hein. Un petit truc. Petite annonce. Petite annonce. Ok. Ah, j'ai pas accéléré. On a pas accéléré, je crois, les carnivores. Enfin, les jurassiques. Jurassiques qui ne sont pas les jurassiques d'ailleurs. Pas tous. Là. Au fait. Parfait, ça c'est fait. Ensuite, code 19, on envoie well. Ensuite, ici, bien sûr. Contre les pièces d'or. Voilà, masse. On va investir. Et normalement, j'ai un paquet à ouvrir que j'avais préservé. Pour la quête journalière. Blue. J'avais jamais vu que c'était marqué blue sur le fond de l'enclos. Ça vient seulement de blue. J'avais jamais vu. Ok, on récupère ceci et puis on va pouvoir voir un petit peu ce qu'on va récupérer sur la première phase. Oh, petit truc. Enfin, très bien. Les échanges. Ça on peut. Il en faut 3 d'échange. Ça me sert à rien, mais c'est pour avoir 3 d'échange. Et on va faire ça contre de l'ADL. Ce sera très bien. Tout va bien. Et je crois qu'on a fait le tour. Non. On n'a pas fait le tour. Qu'est-ce qui me manque? Pour faire le... Ah bah oui, le paquet. Qui est ici. On collecte. On collecte. On collecte. On collecte. Et le paquet.
Oh, 1000 ADN, c'est pas mal. Et un amphition, bon, ok. 1000 ADN, ça fait quand même plutôt plaisir. Et voilà, on a fini. Parfait, ça. On récupère tout ceci, on va ouvrir le paquet. Et je crois qu'après, on est bon dans ce que je peux faire dans la foulée, quoi. Et après, mes espèces, enfin, tout est plein. Oh oui, 1000 ADN là-dedans, plus 55. Lié. Ça, c'est un bon paquet, ça. Ça, c'est un bon paquet, ça. Et on peut récupérer ceci. On récupère 65 plus 80 billets. On est à 23 200 billets. Parfait. Eh bien, écoutez, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Présentation du pass Rinkenya, du coup. Rinkenya, je ne sais plus. Un Rinkenya. Nouvelle espèce carnivore. Un tank disponible dans le jeu. Qu'on va aller récupérer, bien sûr. Mais qu'on ne pourra pas améliorer parce qu'il faudra attendre un tournoi, très probablement. Bisous à vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Bon courage encore une fois pour le tournoi du week-end Giganotosaur Gen 2. Bisous à tous. Et à la prochaine. Allez, ciao.